Alors voici un petit jeu qui m'a été envoyé par les développeurs, des braves personnes du studio de je ne me rappelle plus. Quand mon ordinateur a réussi à faire un tweet, voilà. C'est bien. Merci Mao pour les conseils, hein, je vais... Donc ils m'ont dit, voilà, on était à la Japan, je sais plus quoi, mes couilles, là, qui a eu la Paris Game Week. Qui était à la Paris Game Week, il m'a dit, voilà, on a fait un jeu, bon, il y a des gens qui nous ont dit qu'il y avait quelques problèmes et tout. Et effectivement, moi j'ai joué, j'ai commencé, je me suis dit, il est sympa. Il y avait un truc en fait, c'est-à-dire que je trouvais beaucoup de défauts au jeu, alors c'était des mini-défauts. Mais vous savez, les petits défauts, quand ça s'accumule, ça devient énorme et on peut le porter comme un chapeau après. Mais j'ai continué à jouer, donc je me suis dit, même s'il y a des défauts, il y a un truc qui passe. Putain, on peut faire de la coop. Ah, mais à mon avis, c'est en local. Je vais aller tester, parce que j'ai pas du tout testé le coop, j'ai juste fait le mode... La Japan de mes couilles, super pub. Ah oui, c'est que du local. Eh oui. C'est dommage. Ben on le fera avec Poppy quand elle reviendra. Allez, on va tester le mode tout seul. Il faut que je pense à changer le nom du jeu. C'est Dragodino, c'est ça? Ah mais il le trouvera jamais, le jeu est tellement obscur et qu'il a été envoyé qu'à moi. Voilà, je mets à jour le titre. Avant que les rageux viennent rager. Donc en fait le but du jeu c'est que vous êtes ce petit dragon, dragon dinosaure. Et le but du jeu c'est de trouver, voilà, les petits ennemis entourés. Je ne sais pas à quoi ça sert de ramasser les... À quoi ça sert de ramasser les diamants. Il faut trouver ces petits ennemis avec le halo blanc autour d'eux. Et leur en mettre plein la bouche pour récupérer un diamant bleu. Qui permet normalement d'ouvrir la porte au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je peux charger mon saut, hop, et sauter, et c'est la fête. Alors, premier défaut que j'ai trouvé au jeu, c'est-à-dire que je suis arrivé là, et d'entrée, le tuto vous dit, trouver les cristaux bleus, il faut trouver les ennemis entourés de blancs, et tout ça, et je fais ok. Mais le jeu est super fouillis, quoi. Banzo est fouillis, voilà. Le jeu est super fouillis, parce que tout ce que vous voyez sur le décor, en fait, c'est de la plateforme. Absolument tout, sauf les fleurs bleues, visiblement, et... Ben, si là ça passe parce qu'il y a une fleur qui est cachée derrière, oui. Le problème c'est que vous devez trouver des ennemis dans des décors qui sont ultra chargés. Et c'est très dérangeant au début, mais bon là j'ai réussi donc on s'en fout. Voilà, j'ai fini mon premier niveau. Et c'est juste ça en fait, c'est de la complétion de niveau. Mais dans des décors ultra chargés et des fois le dragon est un petit peu lourd à déplacer. Et pour un platformer, ça peut être un défaut. Casse-toi la souris. Non, casse-toi la souris. Voilà. Vous voyez, donc là j'ai un ennemi qui est là. Les autres on peut ne pas les tuer, ça ne sert à rien. Pour l'instant, les diamants, je ne sais pas à quoi ils servent. Vous voyez, c'est ultra chargé, du coup, je suis un petit peu paumé. Voilà, les deux ennemis sont en haut. Voilà, je me suis pris un coup parce que les sauts sont un petit peu bizarres à gérer, en fait. Il a une espèce d'inertie, ce petit dragon, qui est un petit peu pénible. Hop. Mais bizarrement, j'ai pas su m'arrêter d'y jouer, en fait. Voilà, on peut flotter avec lui. Hop, hop. Et en fait, le but du jeu, c'est de trouver comment accéder à certaines choses. Et des fois, ça rend le jeu très frustrant, parce que vous voyez, par exemple, lui, il est tout en haut. Je ne sais pas comment y arriver. Parce que là, je peux pas monter sur cette plateforme. Donc à mon avis, il faut que je monte là, que je plane. Voilà, c'est ça. Parce qu'avec la gâchette gauche, on peut planer. Bon, évidemment, comme je souffre d'un toc qui fait que je dois absolument tout ramasser sur un niveau, sinon ma vie n'est pas complète, je ramasse absolument tout. Sinon, je me sens mal. Hein. C'est-à-dire que je peux finir un niveau au bout d'un moment si vraiment ça passe trop de temps, mais je me sens super mal. Hop. Là, il y a un petit cube, vous voyez. Le petit cube, il n'est pas forcément évident à voir. Parce que les niveaux sont méga chargés. Les jetons... C'est génial parce que je ramasse des choses... Je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'ai mes petits cristaux, donc je peux faire le super saut, et on passe au niveau suivant. Et plus ça va aller, plus il y aura des ennemis costauds. Vous voyez, par exemple, lui, là, je peux pas l'attaquer. Parce que la bûche m'empêcherait de passer. Et du coup, voilà, c'est la merde. Hop, le petit diamant bleu, lui, là-haut. On va le choper. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une barre de vie, ça. Faudrait que je la chope. Donc, il suffit pas de rusher dans les niveaux. Il y a des petits moments où il faut réfléchir. C'est-à-dire, là, par exemple, je peux pas descendre comme un bourrin. Merde.
Ah, il plane pas assez longtemps, ce con, il a un trop gros cul. Voilà, très bien. L'important, c'est d'annihiler toute forme de résistance. Vous vous en doutez bien. Là, vous êtes là pour rappeler qui est en haut de la chaîne alimentaire. Donc c'est un petit jeu sympa pour la salle. Je sais pas comment il compte le financer, le sortir, j'ai pas eu toutes ces infos là. Et d'entrée je me suis retrouvé coincé sur le premier diamant en me disant mais attendez, où sont les diamants bleus là? Et la personne m'a dit mais Panda tu es extrêmement con, ils sont là. Et voilà. Oh ça va être pénible ça. C'est-à-dire que là je suis obligé de faire un saut de la mort, voilà. Voilà. Oh putain. Faut que je recommence tout. Non, non. Ah mais je pouvais monter par là, ok. J'avais pas vu, vous voyez, c'est ça qui me pose problème, c'est que des fois on ne voit pas les plateformes. Dr. Who's The Adventure Game, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, mon ami, il est en let's play sur ma chaîne principale, caché quelque part dans Panda Plays ou un truc comme ça, ou sur la chaîne secondaire, je ne sais plus. Voilà, bon, il y a des ennemis qui attaquent, mais pour l'instant, ils sont relativement soft, hein, c'est les premiers niveaux. Ouais, des nouveaux trucs à ramasser, que je sais pas pourquoi je les ramasse. Est-ce qu'il y a une boutique? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut faire grandir le dragon pour qu'il a... il prenne tout l'écran au bout d'un moment et que je brûle tous mes infidèles, mes ennemis infidèles, comme ça, dans des souffrances atroces? D'où tu me touches? Ta mère! Voilà, ça c'est fait. Mais Gwent, hein, on y reviendra. On y reviendra parce que j'ai trouvé ça relativement cool, même si je joue comme une quiche, il faudrait que je travaille un petit peu mes decks. Sûrement avec l'aide de Mao. Ou de toute autre personne qui serait apte à me... Qu'est-ce qui m'a touché là? Putain, il est caché derrière les fleurs. Alors, ou l'aide de toute autre personne qui pourrait m'aider sur ce jeu, mais Gwent, à mon avis, ça va être... On va y jouer. Alors aussi, si je pouvais donner un conseil aux développeurs du jeu, s'il vous plaît, mettez quelques autres sons pour le dinosaure, parce que entendre ya 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 tout le temps... voilà. Combien? J'ai tous les cristaux. J'ai tous les cristaux. Qu'est-ce que c'est ça? Comment je fais pour monter là-haut, nom de Dieu? Voilà, là on va arriver donc au moment où je vais me sentir super mal parce que je vais pas arriver à monter. Elle mène où cette porte? Ah ok, j'ai un temps imparti pour tout ramasser. C'est génial. Oh merde. Oui? Mais c'est-à-dire que je peux pas monter là. Bienvenue, Pastekos. Ok. J'ai pas compris. Lucas, tu t'es fait mal? Alors, comment je fais pour monter tout là-haut? À mon avis, il va falloir que je me retape tout le niveau à l'envers. Voilà. Je suis désolé, grenouille. Hein. Ça me fait mal au cœur de taper sur des animaux. Surtout quand ils ont l'air relativement mignons. Oh, putain, et le saut des fois, quoi. En fait, là, il faut utiliser la gâchette gauche quand vous sautez pour planer, mais... Regardez, je suis en haut d'une bûche. C'est super chaud à gérer et les niveaux sont aléatoires en fait, vous aurez jamais deux fois les mêmes. Et mercredi. Ça va être la rage, ça va être la rage dans deux minutes, je vous préviens. J'ai pas encore mangé donc... Voilà. Je vais faire développer un syndrome de tourette. Mais bordel de cul de chiotte. Vous avez mal calibré votre jeu. C'est bien les niveaux aléatoires, mais il faut qu'ils soient jouables.
Je suis en train de me faire mal au pouce. Il doit forcément y avoir moyen. Ça manque de double saut, mais clairement, putain, si tu savais à quel point mon pouce était ancré dans la manette pour lui dire « Fais un double saut !» Là, en soi, je pourrais passer au niveau suivant, mais... Putain, mais c'est chiant, il se colle. Et le truc, c'est que je peux pas sauter dans les airs, il me semble. Attendez. Non. On peut pas faire un saut dans les airs, parce que sinon, je me laisserais tomber, je ferais une espèce de... De slide dans les airs, là, et ça serait très bien, quoi. Sur la plateforme plus bas. Quoi? Non, sur la plateforme plus bas, je pense qu'il sauterait pas assez haut. Je vais essayer quand même, parce qu'on sait jamais. Mais sachant qu'il a un saut super... Ah, quoique. C'est pas une mauvaise idée. Attends, on va essayer ça. Oui! Oh. Putain, l'enfer. L'enfer.jpg, quoi. Voilà. Non, non! Putain, mais il glisse! Il glisse, ce con, là! T'es énervant! Tu m'entends? Tu mérites pas de tuer tous ces animaux qui t'ont rien fait. Voilà. Eh ben, dis donc. Et là, je suis obligé de tout me retaper, hein, bien sûr, puisque... C'est pas fait pour remonter. Non, non. Ce jeu sera mon enfer personnel. J'ai passé une très bonne heure en compagnie de Gwent. Et là, je suis en train de vivre l'enfer avec un jeu tout mignon, quoi. Mais on a réussi, c'est bon, j'ai tout ramassé. YOLO. Méga saut. Mais franchement, le jeu est pas désagréable à jouer en soi. Enfin, si je me faisais chier, ben j'aurais coupé le jeu et j'ai dit non, retourne sur Gwent ou sur Happy Wheels. Mais des fois, il y a des petits passages où tu te dis. On sent que le développeur a passé une mauvaise journée. Hein. Parce qu'autant, voilà, quand tu commences le niveau, qu'il y a très peu de choses à chercher, c'est très évident, donc il n'y a pas de souci. Tu bourres. Mais après, ça va être dans les détails où tu vas devoir aller chercher certaines pièces où là tu fais. Ta mère. Vous voyez, d'entrée, là, faut chercher le moyen de clearer le tableau. Merde. Merde. Alors, s'il te plaît, quand j'appuie sur saut, saute. Saute. Je sais que c'est un concept assez primitif hein, du monde du jeu vidéo, mais fais ça ou je pèle ta famille, d'accord? Comme une pomme de terre. Putain, lui il me charge. Ah là, j'ai tout récupéré, c'est très bien. Par contre, il me reste 2 points de vie, ça. Est-ce que je peux tricher par là, voilà? Meurs! Il va y avoir une série animée Happy Wheels. D'accord, écoute. C'est bien ce qu'il veut. Il me manque des diamants, non? Oui, il m'en manque un là-bas qui est caché de manière moufine. Attends, tout à l'heure j'ai réussi à monter là, non? Putain, je suis obligé de me... Voyez! Faut que je me retape tout le niveau, enfin tout le niveau, une grosse partie du niveau. Pour aller chercher un putain de diamant, voilà, j'en ai 37, c'est la fête au village. C'est con parce qu'il y a clairement du boulot sur le jeu. Bah. Oh putain. Ah non mais je vous tue tous, hein, sans exception. Il est chiant à glisser comme ça. Ça se sent que c'est chiant.
Voilà, j'ai mes 3 diamants, je peux me barrer. Mais je vais pas le faire. Putain, lui il a l'air vénère. Tiens, voilà, je l'ai mis dans le cul, comme ça, on reste pote. Non! Mais saute, trou de fion! Oh putain, fallait qu'il me fasse ça. À quoi ça sert les pièces, s'il vous plaît? Le jeu qui voulait pas te donner d'indication, quoi. Le jeu qui en avait assez d'être joué. Tu récupérer. Ah ben non, il en reste. Hey! Ya! 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 Allez, on tente le run, je clear le jeu à 100%. Je sens que vous êtes hypé. C'est-à-dire que je wipe tous les ennemis, je ramasse tout, c'est la fête au village. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez ce chien, il a failli me faire revenir d'un endroit où je pouvais pas revenir, on me retapait tout le tour du bâtiment là. Jeu de sadique. Merde. Et bienvenue Narkotsu. Installe-toi mon ami. Du coup j'étais pas sûr s'il y avait un ennemi ou pas. Bon lui je pourrais pas l'avoir, super, je vais rester frustré toute ma vie. Lui il va me casser les noix, vas-y. Salaud. Salut Truffion. Allez c'est bon, j'ai mes... Ah bordel de cul de petits dinosaures qui glissent sur la glace. Putain il me fait trop recommencer. Le jeu se nourrit de ma souffrance quoi. Et du coup le niveau a changé, non? Salut Bobiax. Ah, ah. Pourquoi les ennemis me font mal? Je veux juste les tuer. Salaud. Est-ce que j'ai tout ramassé? Oui, j'ai mes cristaux, j'ai les petits mâches. Ah. Voilà. Vous voyez, faut avoir l'œil. Hein. Youhou! Putain, j'ai déjà perdu un point de vie, quoi. La honte sur moi. Hop, le petit glide qui fait plaisir. Oui, on va attendre pour le piéger. Il me reste un point de vie, là j'ai intérêt à pas me chier. C'est raté. Putain, j'ai tellement bien fait de faire ça quoi. Mais. Est-ce qu'il y a des upgrades? S'il vous plaît. Je ne peux pas monter. Je suis paumé. Game of the Year, mais oui. Ah oui, non mais là c'est on tombe sur le jeu vidéo de qualité, attention. Oh par contre, là il était putain. Il m'a remis en play sur les amis. Mourez tous, chien fidèle. Toi aussi. Putain. Je vais être obligé de repasser. Allez, retourne en arrière. Enfin, je sais pas si vous, ça vous dérange pas que ça soit aussi chargé, mais... Moi, ça me dérange.
Il y a un peu trop de détails à l'écran. Bon, après, les gars ont clairement bossé sur le jeu, hein. Ils ont pas fait semblant, mais... Mais comment tu veux que je l'aie, lui, sans mourir, sérieux? Arrête de glisser, ouais. Là, il va falloir jouer au pixel près. Merci, Karel. Oh putain. Ah, la jouissance, quoi, de réussir ça. Ok. Par contre, je dirais pas non à un petit point de vie, là, s'il vous plaît. Ça serait pas de refus, comme on dit chez la marquise. J'ai presque envie de rusher à l'autre niveau tellement j'ai peur de mourir. Quoi. Vous êtes conscient que c'est de la triche là, hein? Vous êtes beaucoup trop nombreux. Et... Merci. Si seulement je savais ce que ça faisait de tout ramasser. Je vous éliminerai tous, un par un. Oh, j'ai mis plein de cul, mais il a aimé ça, apparemment. Ah, avez-vous senti mes fesses se serrer, hein? Je sens que je vais le laisser parce que ça va être trop tendax d'aller l'embêter. Je débloque des trucs, mais je ne sais pas pourquoi. Hein? L'enjaillement n'est pas présent. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, en fait, il me balance plein d'items. Que je sais pas ce que c'est. Bienvenue, Harry Mort. J'espère qu'il n'y a pas un vieil ennemi caché dans un coin. Dans un coin de bâtard, parce que ça me frustrerait vraiment à ce moment-là du jeu. Ah ben si, à toi. Dégage. Putain, j'ai eu très très. Oh merci. Le point de vie qui arrive pour le dernier ennemi pour me dire dans ton cul. Voilà. Ce point de vie que je voulais depuis 3 heures à peu près. Et putain, arrête de glisser par pitié quoi. Voilà, c'est bon, j'ai tout ramassé. Phew! Allez, c'est bon, on a fini le niveau.
0 sur 4? D'accord. Mais c'est ça le truc qui me perturbe le plus, c'est que moi, collecter des trucs, ok, vas-y, fais péter. Mais pourquoi? Hein, c'est, une pièce. Tout à l'heure, j'ai eu des cristaux rouges, après j'ai eu des bâtons, j'ai eu des cubes, je ne sais pas ce que j'en fais. Ou alors, c'est parce que le dinosaure a un complexe de MacGyver, il va nous construire un tank à la fin du niveau et tout faire péter, hein, pour protester contre ce jeu. Je ne sais pas. Non, parce que si ça sert à rien de les ramasser, je vais arrêter. Hein. Mais mettons-nous d'accord tout de suite. Voilà, un cristal rouge. Et les cristaux bleus, ça on sait pourquoi c'est fait, hein. C'est pour passer au niveau suivant, y a pas de souci. Mais alors tout le bazar qui suit là, je ne sais pas, c'est très frustrant. Reviens là, toi. Remonte. Oh, foiré. Ah mais non. Putain, je me fais bolosser par le jeu, mais tellement fort quoi. Ah maintenant il faut 5 cristaux. Ou alors c'est pour ouvrir les niveaux spéciaux, les cristaux rouges. Je ne sais pas. Voilà, donc là il me faut de plus en plus de cristaux, cristal. Alors bien sûr il n'a pas de tir directionnel, hein, le petit dino, sinon ça serait marrant. Toi t'étais caché, mais je t'ai vu, mon petit Lulu. Allô. Veux-tu bien cesser de jouer? J'aime bien les pièces qui drop, mais après, comme ça. Comme ça, t'es parti, c'est trop tard. Tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Toi, ça sert à rien que j'aille te taper, tu m'as rien fait. Je le vis très mal, là, de devoir... rocher comme ça sans ramasser parce que je ne sais pas à quoi ça sert. Ça me fait perdre du temps. Quoi? Apparemment j'ai perdu un cristal rouge. Les cristaux rouges doivent me servir de vie ou de bouclier ou je ne sais quel. J'en ai assez là ou pas? Oui, il m'en faut 6 là. Ah mais non, le truc c'est pas ouvert donc c'est que j'en ai pas assez. Là, il me reste qu'un point de vie. Je l'attends en embuscade. Est-ce que ça s'est ouvert là-bas? Oui, on peut y aller. Ouais, la musique est cool, ouais, j'avoue. Ça, y a pas de... La musique, elle passe crème. Alors, ils sont où les petits ennemis là? Voilà, y a super crapaud vert, on va dire. Juste récupérer ça, je ne veux pas me battre avec toi. Ne viens pas chez moi quand je ne suis pas là. Et en fait, on peut speedrunner le jeu. Quoi. Tu perds tout intérêt. Ça, le problème, c'est que là, je suis déjà au 3e ou 4e niveau. Le jeu ne m'explique rien de ce que je dois faire. Ou de pourquoi je collecte des trucs. Et d'autres trucs qui font que j'ai plein de trucs et par rapport à mon capital de trucs de départ, ben je suis bien quoi. Et du coup tu te fais mais voilà, ben, je vais aller chercher mes petits items qu'il me faut et puis on en parle plus. Et je suis retombé en bas. Le design des monstres est cool, oui c'est vrai. Ah on va essayer de finir un niveau quand même. On va pas se décourager pour si peu. Le seul truc qui me décourage là immédiatement, c'est que je sais qu'après ce stream, je dois partir bosser, mais c'est tout. Après le... Moi, je vais aller te gratter, toi.
Ah mais je peux plus monter là. Quand tu veux. Alors faut que j'arrive à monter là-haut. Monter là-haut. Forcément moyen d'y aller. Non, pas par là en tout cas. Ok, donc j'ai l'impression que mon dernier ennemi est inatteignable. Faudrait que j'arrive à tomber sur la bûche du haut. Mais alors comment y accéder? Super saut. Ah putain, mais le super saut on peut l'utiliser quand on veut en fait. Ok, ça c'est bon à savoir. Moi je pensais que c'était uniquement pour quand tu veux sortir. Quand tu veux sortir de la zone, ok. C'est bon à savoir. Putain, là, tu m'as réouvert l'intérêt du jeu. En fait, je me suis dit, ouais, le super saut, c'est uniquement sur la plateforme de sortie pour faire la fête, quoi. Mais... Ah. Ah, mais du coup, ça casse complètement le jeu, quoi, parce que du coup, tu sais que tu peux faire des méga sauts, c'est la fête, quoi. Le jeu passe de 3 sur 20 à 4,5 sur 20. Mais il est pas mauvais, hein. Je sais pas comment vous l'expliquer, quoi. Il est intéressant, mais... Voilà, le truc, c'est que je me suis... À aucun moment donné, je me suis dit, bah tiens, le super saut, je l'ai tout le temps. Et là, du coup, je peux accéder à toutes les plateformes que je veux sans souci, quoi. Je dis ça, et je sens que je vais rester bloqué comme un con à un endroit, quoi. Ah, bordel, je l'avais pas vu, ce con. Allez, du coup, recommence tout du début, dans ton cul. Alors, je sais pas si les cristaux rouges, c'est des crédits en plus, ou... Ouais. Non, là ça a servi à rien parce que j'ai cru qu'il est là. Ouais. J'avoue, j'ai tenté de le chater le son. Ouais, du coup maintenant je le spam. Là on est bien. Mais... Oh, le manque de respect du mob. Merde, là par contre j'ai pas le double méga saut encore. Là, je suis pas assez loin quoi. Je vous défonce, moi je vous défonce. Ah, il est pas là mon petit mob. Ah ouais, mais du coup ça change complètement le gameplay là. C'est génial. Pas assez. Tu fais quoi toi? Tu descends, tu montes, tu repars. Le jeu est un early access, il me semble. Il n'est pas forcément en bêta, je suis pas sûr de ce que je raconte, mais. Non, j'avoue que ça change un peu le gameplay, c'est de suite plus agréable hein, qu'on puisse faire le saut n'importe où. Et pas uniquement pour passer au niveau suivant. En même temps, c'est ça qui me... Je vais pas dire c'est la faute du jeu, hein, c'est moi qui aurais dû tester, mais... Au début, ils disent, voilà, il faut collecter les cristaux pour pouvoir faire un super saut pour accéder au niveau suivant. Mais je pensais pas qu'on pouvait super sauter d'entrée de game. Merde. Oh putain, mais t'es sérieux quand tu fais ça, là? Comment il va être chiant à choper lui?
Merde. Il va falloir le skiller, lui. J'attends qu'il fasse ça. Oh putain, j'en étais sûr que ça allait pas passer. Pour le choper, il lui fallait le skiller quand même, hein. C'était pas... Putain, qu'est-ce que c'est qui me bloque là? Putain, mais je vois pas les bûches, bordel! Barre-toi, merci. Panda, quand tu tires en l'air, tu restes un petit peu sur place. Je pense que ça peut prendre certains moments plus ça. Je comprends pas trop ce que tu veux me dire, mais... Ah mais c'est déjà ouvert, j'ai plus besoin de m'emmerder. Voilà, j'absorbe vos âmes pour sauter plus haut. Un jeu à la morale douteuse. J'ai tout ouvert ou pas? Nous allons voir. Ah, je me fais poursuivre par un hérisson mauve. Ah mais... Comment? Non mais on est d'accord que là c'était pété quand même. J'étais obligé de perdre 2 points de vie connement pour aller le récupérer. Oh putain, il est tout en haut là. Ah, il m'en manque un. Il me manque un cristal. Ouf! Mais... Ah, il est là-haut. Oh putain, il est là-haut. Ok. Ça y est, on pourra y aller. Putain, mais encore, il est interminable ce niveau. Oh putain, il y a des ennemis qui tirent maintenant. Je n'ai qu'un point de vie, c'est la fête au village. Ah, puis il tire loin. Je suis obligé d'attendre qu'il ressorte.
Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que j'en suis à 2 heures de live, donc c'est ce que je voulais faire à la base. Mais voilà. Donc les découvertes du jour, Dragodino, qui a un potentiel. Je pense que ça peut être sympa à faire maintenant que j'ai compris les mécaniques de jeu grâce à vous, encore une fois. GG Panda, merci Magri. Non mais je m'amusais, hein. Franchement Baron, le jeu est compliqué en fait. Il a l'air d'être enfantin comme ça, mais il est compliqué. Et en fait, j'y reviendrai. C'est ça le principe du jeu en fait. Si un jeu me plaisait pas, ben, j'arrêterais de suite. Tu vois, je ferais... Non, c'est bon, merci. Or là, je l'ai testé vite fait, aujourd'hui je suis revenu, j'ai galéré sur certains passages, mais c'est ça qui fait qu'un jeu est un jeu. Si on arrive à tout de suite, ça n'a aucun intérêt. Donc Dragodino, il y a des choses à régler, je pense que je tiendrai compte de ce que vous m'avez dit, aujourd'hui dans le chat pour le rapporter aux devs du jeu, pour leur dire, ben voilà ce que les gens, le public a pensé de votre jeu, et moi ce que j'ai pensé. Et après, Gwent, bonne découverte. On redécouvre ça, ben oui, 1007, je suis désolé, je pars travailler dans 1 heure, donc là il faut que je mange et que je me prépare, donc voilà, c'était le stream du matin. Peut-être que je streamerai ce soir aussi, je verrai comment dans quelle étagère quand je sors du travail ce soir. En tout cas, Gwent et Dragodino, 2 découvertes aujourd'hui que je reposterai bien sûr sur Satpanda Show, aussi Twitch, arrête de faire de la merde. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui, merci pour les dons, merci pour les follow, merci pour les commentaires, réponse au dev, ya ya ya. Et donc on se retrouvera pour un prochain live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch pour pouvoir savoir quand je live, pour recevoir une notification, ou à me suivre sur Twitter parce que c'est là que je dis toujours à quelle heure je vais streamer tout ça, sachant que je stream toute la semaine minimum du lundi au vendredi. Le week-end c'est particulier. Voilà, donc bonne journée à vous, peut-être à ce soir, et passez une bonne journée, bon week-end, tout ce que vous voulez. Au revoir.